Moi et Monseigneur Baudreau, vous le connaissez très bien, avait fait des sorties médiatiques sur la scène politique aujourd'hui. Et quel regard portez-vous à ces démarches? Nous, au niveau du mouvement Patriote Togolais, nous avons décidé de ne pas commenter les sorties de Monseigneur Baudreau. Parce que vous savez, ces propos ont créé des problèmes au sein de l'opposition. Certains se sont dit qu'ils ont été traités à tort de Judas. D'autres qui pensent que Monseigneur Baudreau a raison. C'est une autorité morale pour ce pays. Il a contribué énormément pour que la démocratie s'installe au Togo. On se rappelle de la conférence nationale souveraine et du rôle qu'il a joué. Aujourd'hui, c'est un vieil homme affaibli par le poids de l'âge, mais il continue de chercher des voies et moyens pour sortir le Togo de l'ornière. Ce que nous pouvons dire, c'est que les politiciens s'entendent. Nous appelons le gouvernement, le parti au pouvoir et les partis de l'opposition à trouver des terrains d'entente pour que les choses soient claires, les élections soient transparentes. Mais ils doivent aussi savoir que le Togo nous appartient à tous. Nous, en tant que citoyens, organisation de la société civile, ce que nous souhaitons, c'est simplement un Togo calme, un Togo en paix, un Togo où il fait beau vivre, où les citoyens togolais ne sont pas obligés de faire des queues interminables au service des passeports pour chercher un papier et jouer à la loterie visa et quitter le pays. Mais alors, ces jeunes, s'ils quittent le pays, qui viendra construire le pays à leur place? Donc, il faut créer un environnement vivable au pays pour permettre à tous les citoyens de vivre en paix. Il ne suffit pas qu'une minorité s'accapare des richesses du pays et laisser le peuple croupir dans une misère qui ne dit pas son nom. Et donc nous apportons notre bien, nous allons continuer sur cette lancée, contribuer à la propriété du pays, aider les populations de l'intérieur à sortir de la pauvreté avec les projets de développement, les petits projets pour permettre aux femmes de s'autonomiser. Nous avons plein de projets que nous mettons en œuvre. C'est d'ailleurs pourquoi vous avez vu que nous étions absents. Non, on était là auprès des populations. Donc nous allons continuer sur cette lancée, mais il faudrait que tout le monde joue sa partition. Les politiciens doivent jouer leur rôle, les populations aussi doivent jouer leur rôle pour permettre au pays d'avancer.